Quand tu fais oui avec la tête, c'est-à-dire que c'est parti, c'est ça ? C'est ça. Allez, c'est parti. Salut tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Légion Distribution. C'est parti ? Oui, c'est parti. Allez, c'est parti. Une vidéo des news de la semaine. Voilà. C'est parti. Donc, cette semaine, la semaine dernière, par là, sont arrivées des nouveautés pour Infinity et pour Dystopia Noir. On va commencer par Dystopia Noir. Ce sera assez court puisque j'y connais que dalle. Moi non plus. Merde. Reste poli, je te pas t'aider. Donc, on a reçu deux nouvelles boîtes pour Dystopian. On peut leur reconnaître ça. Ils sont très très réguliers dans leur sortie. Donc, ça commence à faire une belle gamme de jeux. Donc, on a reçu le Battlefleet Hypatia. Voilà. On va avoir un petit zoom dessus. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est beau. C'est original. Attention, je tourne. Donc tout en plastique. Et on a reçu le Crown Frontline Squadron. Donc ça doit être des Anglais, ça. Crown, non? Alors là. Ouais, en plus, il y a ça, Glory et tout. Des Anglais. Que dire? Hop! Zoom, dézoom. Tu maîtrises quand même, non? Ouais. Donc voilà, ça c'est deux nouveautés pour Dystopian qui sont disponibles dans vos boutiques. Il va falloir qu'on prenne un cours accéléré de Dystopian Wars. Ouais, c'est vrai. Hein, parce que moi, je me rappelle, bon, alors, je jouais à la version précédente, mais c'était en 2015, je crois, quand c'était Spartan Games. J'adorais ça. En fait, c'était en 1800 et... Non, non. Allez, vas-y. Espèce de sale vieux. Hein. Donc voilà, pour Spartan Games, on a reçu aussi les nouveautés Infinity. Alors, c'est un bon mois, très bon mois. Il y a les excellents Joujac. Donc moi, j'aime beaucoup. Ah, c'est classe quand même. Ouais, ils ont de la gueule. Donc ça, c'est pour la N4. Il y a le Knight of Santiago avec un Spitfire, un grand classique. Ça marche toujours très bien. Et il y a Parvati en version Infinity. Parvati, c'est un des personnages d'Aristeia, qui est un jeu de sport, de combat d'arène, qui se déroule dans l'univers d'Infinity. Et ils font pas mal de persos du jeu en combattant pour diverses factions du jeu de figurines Infinity. Donc ça, c'est très très bien, très chouette. Vous pouvez aussi vous en servir pour faire un alternate sculpt pour le jeu Aristeia. Et pour Infinity Code One, on a reçu les support packs des deux nouvelles factions qui sont dans Opération Crimson Stone qui est sorti au mois d'août. Donc vous avez eu la boîte de base, vous avez eu le Beyond et maintenant sortent les deux support packs. Et alors, c'est bon, voilà, je sais pas, c'est classe quoi. Ouais. Hein, oh, les nomades. Les nomades, toujours aussi stylés. Ouais, j'aime bien ce petit côté rétro Ariana quand même. Le mec, il va fighter des robots avec une hache. Pourquoi et pas? Et en fait, tu te dis que c'est le médic. Chez eux. En fait, il soigne à coup de hache. Il t'ampute le type direct. Ouais. Donc ça, c'est très très bien en complément de Opération Crimson Stone. Et, petite nouveauté chez Corvus, fini les socles tout noirs, tout vilains. On a... T'as tout déchiré encore. Ouais, j'ai un peu piqué de socles dedans. Mais bon. Donc on a reçu les nouveaux socles texturés, faits par Corvus Belli. Donc, hop, dans la boîte, il y en a 10. Hop. Et c'est quand même pas mal du tout. C'est dans leur nouveau plastique. Damien, tu peins bien quand même. Hein, ouais, des fois, je m'applique. Damien en a peint deux pour vous montrer un peu ce que ça donne. Ils sont vraiment chouettes et ils sont disponibles dans vos boutiques. Il y a la version 40 et 55 mm qui sortent là. Hein. Qui doivent arriver. Ouais, c'est les nouveautés de novembre. Et voilà, et donc ça vous permettra d'équiper toutes vos figurines Infinity de socles texturés directement faits par Corvus Belli. On a tout dit. Une idée du prix en boutique des socles ou pas? Attends, j'appelle Antou. Antou, il sait. Antou, il sait tout. Antou, ouais. C'est combien le prix des... Je reviens, hein. C'est combien le prix des socles? Ça tourne. En attendant... Là, sur le site. Oui, oui, là. Non, pas Hollande! On arrive, on arrive, on arrive! Le temps qu'ils se mettent d'accord.
C'est quoi? Le socle. Putain, je reviens avec la référence. T'es les mecs pas au point. C'est quoi la ref? Il veut la ref, on est pas au point, sacré, vas-y. Il a tout déchiré, je vois plus rien. Eh, c'est nul, cette vidéo, c'est une catastrophe. Ah si, c'est là. 285-071. Allez, en tout. Dis-nous tout. Tu veux lequel? Dans les 12 balles, quoi. Donc ça devrait être à peu près 10-12 euros, les 10 socles. Je crois que je dis n'importe quoi. C'est pas ça. J'en sais rien. C'est grosso modo. À bientôt. Hein. Elle était chouette cette vidéo des news. Ciao tout le monde. Un petit pouce, vous n'êtes pas obligé là, vraiment pas. Et ou alors ce sera vraiment de la pitié. Et commentez, partagez. Abonnez-vous à votre, t'as vu le lapsus révélateur quand même, à votre chaîne YouTube. Et à bientôt. Salut, ça va en tout.